Je me permets d'attirer votre vigilance permanente, celui de notre bien-être à tout un chacun, pauvre ou riche, gros ou maigre, homme ou femme, jeune ou vieux, blanc ou noir. En effet, nous sommes tous dans le même bateau, et le bateau coule, coule, ses cri-cris, ses cours ne sont pas entendus. Moi, Sakis Bomzé, je prends le relais, je viens crier dans votre conscience, et même au-delà de votre inconscience, car il semble que tout le monde dort dans ce pays. Je vois mourir l'agent et nous n'avons que les yeux pour pleurer. Chacun considère que le peu de terre rouge qu'il apporte ou qu'il produit n'est sûrement pas la cause de notre mer rouge. À chaque marée haute ou quand Dieu daigne nous accorder quelques gouttes de pluie, je m'interroge aujourd'hui sur la moralité de certains d'entre nous qui osent regarder dans la glace après avoir balancé à travers sa vie des voitures à crédit, sa boîte des canettes, des bières, Gandia. Le plus souvent c'est sachet, je ne sais où quoi, même des choses beaucoup plus intimes que je ne saurais dire par ici. C'est honteux. Je me permets, moi Sakis Bomzé, de les condamner à la honte et à la vindicte populaire. Je m'intéresse à votre conscience aujourd'hui pour dire non, non à l'agression caractérisée de notre territoire dont l'environnement fait l'objet. Et je vous invite tout autant où vous êtes, administration, maire, conseiller et même vous les boss, à mieux réfléchir vos projets car nous allons tous être vigilants et nous vous dirons non, non et non. Que savez-vous de Mayotte? Notre attention est seulement apportée au Mabawa. On oublie notre cadre de vie sur le bien-être des animaux qui nous entourent et qui nous protègent. Je prends le relais, je vais crier dans votre conscience et même au-delà de votre inconscience car il semble que tout le monde dort dans ce pays. Je vois mourir l'agon et nous n'avons que les yeux pour pleurer. Je suis inquiet, je suis malheureux. Mayotte est fragile, l'environnement aussi. Hein? Je m'adresse à votre conscience encore et encore, car c'est elle qui vous perd et qui vous fait croire des choses. L'environnement, c'est un acquis, c'est un patrimoine. Nous devons le transmettre à nos enfants. Mais je constate que notre conscience, nos jeux de tours, la faune, la flore, l'eau, l'air, sont des richesses inestimables. Nous ne devons pas détruire. Je suis inquiet, je suis malheureux. Votre conscience semble être déçue de tout. Je crois que notre île est perdue. Nous sommes perdus de toute façon. Tout ce qui est fait, mais il n'est pas trop tard. Crions ensemble, montrons notre amour pour cette île si magnifique. Je vous en prie.